En ce qui concerne l'élevage, après le recensement que nous avions donc lancé il y a 4 ans, aujourd'hui nous savons que le Tchad a plus de 90 millions de têtes de bétail, toutes espèces confondues. Dans quel pays au monde, tout au moins en Afrique, a-t-elle une telle, en fait, disons, richesse? Dans aucun pays. Depuis des temps immémoriaux, nous avons exporté notre bétail sur pied. C'est ce qui nous a amené à lancer la construction de l'abattoir moderne qui va ouvrir ses portes à Moundou avant la fin de l'année 2016. L'abattoir d'Ndjamena à Diarmaya, en construction, va terminer ses travaux. Troisième abattoir dans le nord, ça veut dire qu'à partir de 2016, nous allons réduire considérablement l'exportation du bétail sur pied. C'est de la viande conditionnée qui va être exportée à l'extérieur. Parlons des 6 produits animaux. Rien, je dis rien, ne doit être, n'est-ce pas, jeté, y compris le sang des batailles. Tout doit être transformé en un produit, n'est-ce pas, et ce qui va donner à nos éleveurs de la valeur ajoutée sur leur bétail. Nous avons construit 3 aéroports dans le nord international. L'aéroport de Moundou, vous pouvez faire atterrir le plus grand porteur aujourd'hui d'avions qui existe dans le monde, A380. 4 kilomètres, 80 mètres de largeur. Nous l'avons fait à dessein. Si nous voulons exporter notre viande, arrêter le bétail sur pied, il faut absolument créer les conditions qui permettent sur place de transporter cette viande-là qui est conditionnée. Et nous avons construit des chambres froides à l'aéroport de Moundou. Donc, toutes les conditions sont réunies aujourd'hui à l'ouverture du premier abattoir moderne, complexe, je dis bien, de Moundou, au jour J, le deuxième jour, le troisième jour, l'aéroport est ouvert et notre viande en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, vers l'Afrique du Nord, en particulier la Libye, qui dépend essentiellement de nous, l'Égypte, qui dépend essentiellement de notre bétail, et le Moyen-Orient, en attendant l'ouverture, évidemment, des autres